Coucou et bienvenue sur l'écrivain Tilda. Voilà, j'ai reçu un courrier qui me vient de Myriam D de la Belgique. Voilà. Donc, Myriam, tu auras le numéro 11. 11, le numéro 11. Donc là, je t'ai marqué, j'ai marqué ton adresse, etc. déjà dans le livre, dans le petit cahier. Et là, pour ta participation, le numéro 11, Myriam D. Alors, ma petite boîte. Voilà, elle est là. Et hop, dans la petite boîte. Merci beaucoup de participer, Myriam. Alors, je vais ouvrir. Je vais cacher les adresses. Ah, bah, j'avais déjà ouvert. Ah. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Alors, merci beaucoup, Myriam, pour ta participation. Oh, c'est trop trop joli au concours. C'est magnifique. Oh, c'est super mignon. Regardez-moi ça, la carte Mémorilex. C'est trop joli. Alors, elle est trop belle, sa carte. Sa carte Mémorilex. Ça change, j'aime bien. Alors, on va l'ouvrir sans l'abîmer. C'est trop trop joli. Elle est super jolie, ta carte Mémorilex. Alors, je suis contente parce que j'ai beaucoup de personnes de la Belgique. Regardez-moi sa petite carte. De sa petite Mémorilex. Elle est trop mignonne. Qu'est-ce que c'est joli! Avec un petit personnage comme ça, j'aime beaucoup. Ça a peut-être un nom, mais je ne connais pas. Et ben, c'est trop joli. Avec le petit sapin de Noël, des petites paillettes, les petits trucs de neige et tout. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh, c'est magnifique ta petite carte. J'aime beaucoup ta petite carte Mémorilex. J'ai remis mon truc maintenant. Je fais attention avec les adresses. Voilà. Et ben écoute, Myriam, ta petite Mémorilex, et ben hop, elle vient ici. Et ben c'est trop joli. Je vous la remonte encore une fois parce qu'elle est trop mignonne. C'est trop joli. Elle est trop belle. J'adore. J'adore parce qu'elle a même tamponné ses petites. Ah! J'avais pas vu. Eh ben encore mieux, c'est encore mieux. C'est encore plus joli. Oh, ça, c'est génial. Ah, j'aime bien ce die de carte Mémorilex. Ah, ça, c'est trop bien parce que peut marquer un mot, on peut faire des petites choses. Ah, ça, c'est il est génial ce die. Tu pourras me dire où tu l'as eu parce que moi j'en ai des die de Mémorilex, mais j'ai pas celui-là. Et il est pas mal. Regardez ça. Regardez sa petite carte. Et hop, bah c'est trop bien. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mes petits abonnés, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce die qui fait ça. Ah, ça, c'est trop bien. Mais tu pourras me dire, s'il te plaît, Myriam, où tu l'as vu ton die. Il est trop chouette. J'aime beaucoup. Regarde, sur le. Et oui, hein, faut s'y mettre aux créations de Noël, hein, les filles. Ah, ça va arriver à grands pas. Et ça va aller très vite. Et on va profiter de ces bons moments de Noël. Au moins, ça sera la bonne chose qui pourra arriver cette année. Et ben voilà. Bah, ça, c'est trop bien. J'adore. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, Myriam. Myriam, pardon. Oui, c'est Myriam. Hein. Alors, attends. Oh, j'ai la tête, je ne sais où. Oui, Myriam. Myriam.
En ce moment, j'ai la tête, je ne sais pas où. Veuillez m'en excuser, mes petites abonnées. Voilà. Oui, il faut dire que je n'ai pas trop la forme. Mais bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et là, j'ai fait. Là, elle m'a fait une petite. Vous voyez, ça continue. Quand je ne suis pas en forme, vous le voyez tout de suite. Je cherche mes mots, je ne suis pas top. Et du coup, elle m'a offert aussi ceci, des petits nœuds qu'elle a fait elle-même. Oh, regardez ça. Comme ils sont jolis. Avec toujours sa petite fleur comme ça, de petits flocons de neige, que j'aime beaucoup comme ça, qu'elle a ancré. C'est trop joli. Avec un petit dé comme ça qu'elle a mis là. C'est trop joli. Et regardez, c'est tout frais, tout. Et ces petits nœuds, ils sont trop beaux. Je te remercie infiniment. Ils sont super jolis. J'aime beaucoup. Oh, t'as fait des bêtises. Hein. Regardez-moi ça. Elle m'a offert des dentelles comme ceci. Alors, les créas de Lily Tilda. Je crois qu'il y a quelque chose aussi à l'intérieur. Regardez. De la jolie dentelle. Je crois qu'elle m'a mis... Alors, elle m'a mis la dentelle autour. Voilà. Regardez. Avec deux jolies épingles. Elle est trop jolie, ta dentelle. Elle est magnifique. C'est très joli. Et celle-ci. Elle, c'est aussi... moi, j'aime beaucoup aussi. Elle est trop jolie aussi. Regardez. Elle est super jolie. Je te remercie infiniment. C'est trop gentil. Vous me gâtez, mes petites abonnées. C'est trop gentil. Et là, elle a marqué les créas de Lily Tilda. Et elle m'a fait une... Je sais pas, une carte. On va regarder. Avec une petite fleur de chaque action. Je les ai beaucoup aimées, celle-ci. Il doit m'en rester un paquet. Oh, c'est mignon. Elle m'a fait une petite création. Trop jolie. Oh, avec une petite saraquée, je crois que c'est une petite saraquée ou une petite Tilda, je ne sais plus. Vous voyez, je ne sais même plus. Vous voyez, j'ai la tête vraiment dans le pâté croûte. Hein, on va dire ça comme ça. Je suis désolée, en plus, ça tombe sur ta vidéo, sur tes envois. Je dis que des bêtises. Excuse-moi, mille excuses. Et c'est trop choupi. C'est trop mimi. J'adore. C'est une petite Tilda. Et oui, elle est trop belle. Elle, c'est trop mignon. Je me suis dit que j'aurais bien voulu. Enfin, j'avais vu des petits tampons et j'ai pas trouvé le petit die comme ça. Elles sont jolies en petit die comme ça. Et derrière, j'ai mon petit mot. Alors. Ben c'est bien dommage que tu n'as pas de chaîne, Myriam, parce que tu fais de très, 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 très jolies choses. Et elle me dit qu'elle me suit depuis longtemps, longtemps. Et je te remercie infiniment, ma petite Myriam. Et vous êtes beaucoup d'abonnés à me suivre depuis longtemps. Et je suis très, très, très contente. Et ça me fait plaisir de vous faire plaisir aussi avec les lots que je vais mettre pour le concours. Voilà. C'est pour votre gentillesse aussi. Vous êtes des super abonnés, voilà. Regardez. Elle est trop jolie. C'est trop mimi. Merci beaucoup, beaucoup, Myriam. C'est trop gentil. C'est super gentil. C'est dans la douceur. Vous avez vu, elle a mis un petit truc pailleté, là. Une petite fleur qu'elle a pailletée. Elle a pensé à moi, aux paillettes. avec des petites perles, des petites perles partout, petits papillons, des découpes de papillons. Vous voyez, très fin. C'est magnifique. Une petite plume et tout, c'est trop beau. Et un gentil petit mot qui est derrière. C'est super gentil. C'est
trop trop gentil. Bah, du coup, je vais la récupérer, la petite fleur. J'ai juste adoré ces petites fleurs. Merci beaucoup. Et en plus, elle a fait son enveloppe elle-même dans un joli papier. Tout de la création, ma. C'est trop gentil. Je te remercie infiniment. Vous êtes superbe. Moi, ça me réchauffe le cœur, tout ça. Et du coup, là, ben, c'est super parce que, regardez, elle a fait ceci, toujours aussi dans la tendresse. Alors là, ça, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Parce que même moi, j'y avais pas pensé. Et ben regardez, elle a fait tout un ensemble. Voilà. Pour mettre plein de choses à l'intérieur. Et on va découvrir parce qu'elle a fait. En fait, c'est une pochette à ATC. Regardez ça. Parce que déjà, c'est trop mignon. Donc là, déjà, vous pouvez voir qu'elle a fait une première petite pochette. Voilà. Où se trouve un joli ATC de Noël. C'est super joli. Elle a fait ses petites découpes et tout et tout. C'est trop mimi. Et le thème de Noël, voilà. C'est dommage que tu n'as pas de chaîne parce que tu fais de très très jolies créations. C'est magnifique, hein? Regardez. D'ailleurs, vous faites tous des jolies créations. Chaîne ou pas chaîne, vous faites tous des jolies créations. Et vous savez, moi non plus, hein, quand au début, quand j'ai commencé, j'avais pas de chaîne du tout. J'ai commencé, voilà, et puis j'ai demandé conseil, et puis hop, et puis du coup, hop, je suis partie, et voilà. J'ai fait ma première vidéo sur des épingles à nage, et puis au fur et à mesure, ben hop, tac, 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 tac. J'ai fait du vintage, j'ai fait du shabby, j'ai fait un peu de tout. Et après, c'est vrai qu'au début, on achète beaucoup de choses, et en fait, on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin, en fait. Parce que, moi, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je ne savais pas, j'ai commencé à faire ça et à faire du scrap, mais j'achetais un peu de tout, parce que de chaque action, etc. À chaque action, j'allais. Et puis, sans où me tourner. Et après, petit à petit, bah, vous prenez votre branche qui vous plaît le plus. Voilà. Regardez, c'est trop joli. Trop, trop joli. J'aime beaucoup. Et là, regardez, un très joli die, hein. Et là, on ouvre et on découvre. Hop, voilà. Et regardez, voilà. Donc, ça fait trois petits ATC. Donc là, c'est là. Celle-ci, c'est la numéro 3 sur le thème de Noël. Elle est trop belle. Là, ici, bah, vous voyez, c'est une pochette à ATC. La numéro 1 sur 3. Elles sont trop jolies. Je vais vous baisser un peu. Voilà, je vais vous les sortir toutes les trois. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la 2. La première, la deuxième et la troisième. Voilà, trois jolis ATC qu'elle m'a fait, Myriam, comme ceci, qui sont trop jolis. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Sont trop jolies et ce qui est superbe c'est ce die. Alors ça c'est pareil, si tu peux me dire où tu l'as eu, moi ça m'arrangerait très bien pour que je puisse m'en prendre un et que je puisse faire comme ça pour envoyer mes petits ATC parce que écoutez moi je trouve ça super mignon. En plus on peut en mettre un là, un là, un là et une petite écho là. Et c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Mais j'y pense. Ça me dit un truc, ça.
C'est pas avec un die de chez Action. Ouais, il me semble bien qu'on peut faire ça avec un die de chez Action. Je crois que j'ai un die comme ça de chez Action. Ah, j'ai dû le voir, mais je me rappelle plus. Il me semble que oui. Ah, oh, je sais plus. Bah, tu me diras. Voilà. Ouais, c'est pas ça que j'ai. Il me semblait non, c'était pas ça, c'est ça que j'ai. Voilà. Donc c'est pas ça, je me suis trompée. Voilà. Vous voyez, il y avait la même forme. Et remarquez, on pourrait le faire aussi avec ce die-là. Voilà. Là, vous laissez un petit centimètre de chaque et vous faites pareil. C'est une bonne idée. J'essaierai d'en faire un avec avec ça. Je vous ferai un petit tuto avec ça. Voilà, on essaiera. Mais là, il est beau celui-ci. J'aime beaucoup. Oh, c'est trop gentil. Franchement, ils sont trop beaux. Alors ça, je vais le garder comme ceci. Parce que mes petits ATC, je les mets dans les pochettes et dans des classeurs. Hop. Elle est trop belle. J'aime beaucoup ta petite pochette. Trop jolie, Myriam. Et tes petits ATC. Ma petite pochette. Elles vont suivre. Voilà. Donc, je vais mettre la une. La deux. Et la trois. Elles sont trop super jolies. Alors, elles suivent. Elles sont magnifiques. Superbes. J'aime beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et la petite pochette, top. Moi, j'adore. J'adore. Je vous la remonte encore une fois. Voilà. Et puis là, elle fait une petite déco pour que ça fasse joli comme ça. Et ça fait super joli. Vous voyez? Et ben ça, c'est une belle idée. Voilà. Encore une belle idée. Une belle création. Et ben je te remercie infiniment, Myriam D. Et merci pour ta participation. Et tous tes jolis présents qui me font énormément plaisir. Et retiens, tu as le numéro 11. Le numéro 11. Voilà. Et je te remercie infiniment. Donc, mes petits abonnés, je vous laisse. On va refaire une vidéo car j'ai un autre courrier que j'ai reçu. Et je vais vous le montrer juste après celle-ci. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Et je vous fais des énormes gros bisous à toutes mes abonnées. Bisous, bisous!